بسم الله الرحمن الرحيم صلاة وسلام على النبي المختار سيدنا محمد ربحي ورأس مالي صلاة وسلام على النبي المختار سيدنا محمد ربحي ورأس مالي كم من جاهلين أتى ودخل طريقتي صار من أهل المعنى ملوك العناية Mohamed Ben Habib El Bouzidi est né dans le sud de la ville de Mostaganem dans la vallée des Jardins, connue maintenant sous le nom de Debdaba et plus précisément à Jenan Tekarli en 1814. Il est né dans une noble famille, descendante de Moulay Idriss, descendant de Ali et Fatima, la fille du prophète Mohamed. Il reçut les principes de l'éducation de son père qui était un éminent savant de la région, puis il se déplaça quelques années plus tard au village Bougirat dans la périphérie de Mostaganem à la Zawiya Senoussiya et devint l'élève de l'éminent cheikh Sharef Ben Tekouk, où il apprit le Coran et ses sciences, la jurisprudence et la grammaire. Lors de cette période de scolarité, Mohamed El Bouzidi, qui avait à peine 20 ans, retournait de temps en temps à la ville de Mostaganem pour rendre visite à sa famille. Un jour, alors qu'il était chez ses parents, il accompagna son père au marché et fut arrêté par les autorités coloniales françaises, l'accusant d'être un informateur de l'émir Abdelkader, en venant au marché s'informer et transmettre les nouvelles à la résistance. Le responsable de cette accusation était un agent musulman qui collaborait avec l'autorité militaire française. Il resta quelques jours en prison sous la torture, puis relâché sur l'intervention de l'un de ses oncles maternels qui lui conseilla de quitter la ville, sinon il risquait de se faire tuer. Il quitta sa ville natale et prit la direction de l'ouest algérien, jusqu'à ce qu'il arrive à Tlemcen. Comme il ne connaissait personne dans cette ville, il se dirigea tout naturellement vers le tombeau du saint Abou Medien Chouaïb, El Andalousi, qui se trouve sur la colline El Oubad. Il passa une nuit auprès de sa tombe et après avoir récité quelques versets du Coran, il s'endormit. Il vit dans son rêve le saint Abou Medien en compagnie de son ancêtre Sidi Bouzid. Ils le saluèrent puis lui dit « Va au Maroc, j'ai aplani la voie pour toi ». Il lui répondit « Mais le Maroc est plein de serpents venimeux, je ne puis habiter là-bas ». Alors il passa sa main bénie sur son corps et lui dit « Va et ne crains rien, je te protégerai contre tous les malheurs qui pourraient arriver ». Puis immédiatement quitta sa tombe et se dirigea vers le Maroc et rencontra le cheikh Mohamed Ben Kadour El Wakili qui avait une zaouïa au Djebel Karkur dans la région du Rif. Et c'est sous son obédience que Dieu lui favorisa le dévoilement spirituel et devint par la suite très proche de son maître. Il avait l'habitude de dire à son maître, lorsqu'il fut témoin de ses bénédictions, de son étonnant secret et du dévoilement si rapide. « Maître, notre pays est dépourvu de cette science. »
Il lui répondit, « Les gens de votre pays sont nos enfants. Ils auront un étrange secret et les gens n'auront pas une bonne opinion sur eux. À ce moment-là alors, vous serez soulagé. » Il est resté au service de son maître pendant près de 30 ans. Et c'est pourquoi, souvent il ordonnait à ses disciples de visiter le tombeau d'Abou Médiène et faisait rappeler ses grâces. Cheikh El Bouzidi fut interrogé sur la bénédiction, qu'est-ce que c'est ? Il a dit, c'est la sobriété et le contentement, c'est un trésor indestructible. Donc quiconque en a, il n'aura besoin de personne. Lorsque nous étions avec le maître, Mohamed Ben Kadour, pendant certains jours, nous mangions des herbes, buvant de l'eau, de Aïn Zora, nous dormions sur des nattes et vivions dans des grottes. Lorsque le maître nous envoyait récolter ce que la terre fournissait, mes condisciples choisissaient seulement ce qui est consommable. Quant à moi, je ramassais ce qui se présentait à moi. Alors il me réprimandait en me disant qu'il y a des herbes non comestibles. Le maître leur disait, « Laissez, El Bouzidi, il est la chamelle de Dieu, il mange sur la terre de Dieu, où bon lui semble. » Et nous étions dans un confort et un contentement que leur volupté n'a pas d'égal. Lorsque Mohamed Ben Kadour sentait l'heure de la mort s'approcher, à de nombreuses reprises, faisait l'éloge de son élève en disant « El Bouzidi a pris la gourde avec ses liens ». Cette allusion ne peut être plus claire, elle indiquait qu'il était son successeur et l'héritier du dépôt. Il autorisa par la suite à plusieurs de ses disciples la transmission des enseignements de la Tariqa d'Erkawiya, de guider, et les autorisa à retourner auprès de leur famille. Ensuite il chargea Mohamed El Bouzidi de le succéder, à gérer sa zaouïa et veiller à l'éducation de ses enfants, encore jeunes, et lui ordonna de ne point quitter la zaouïa jusqu'à ce qu'il ait la permission. Après le décès de son maître, Mohamed El Bouzidi mena à bien son rôle de maître éducateur et guide spirituel. Il usait avec sagesse dans la méthode de son éducation. Plus fréquemment, à mesure que le nombre d'adeptes augmentait et ne trouvait pas d'endroit pour s'asseoir lors des cérémonies spirituelles, par manque de tapis, il ordonnait qu'on coupe de grandes feuilles épaisses et les étalait sur le sol, de sorte qu'elles forment un tapis vert et leur disait « Asseyez-vous, ce sont des étoffes de soie fine et de brocart ». Il passa quelques années à remplir sa mission, en plus de son rôle de tuteur des enfants de son maître. Jusqu'au jour où l'un des enfants manifesta de l'hostilité envers lui. Il fut trompé par des personnes atteintes de jalousie envers Cheikh El Bouzidi et les incitait à le tuer, car, d'après eux, il s'est emparé de la zaouïa de leur père et occupé leur place. Lorsque Cheikh El Bouzidi fut alerté de ce qui se passait dans les coulisses par quelques-uns de ses fidèles adeptes, il prit la décision de partir et leur dit « Ceci est la permission de décamper et d'aller là où la volonté divine a voulu. Et grâce à Dieu, j'ai mené à bien ce que m'a chargé mon maître dans l'éducation de ses enfants. Et maintenant, je suis convaincu qu'ils ont atteint l'âge adulte, donc je n'ai plus rien à craindre pour eux. » Ainsi Cheikh El Bouzidi quitta le mont Karkur et la zaouïa de son maître et alla chez les Beni Saïd. Il fut rejoint peu de temps après par ses disciples de la zaouïa de Karkur et put reprendre son enseignement. Mais la menace grandissante de le tuer devint de plus en plus sérieuse, ce qui le poussa à partir de nouveau par une nuit en direction de l'est. Il marchait seulement pendant la nuit et évitait de le faire de jour, afin qu'il ne soit repéré par ceux qui demandaient sa mort. Jusqu'à ce qu'il arriva à l'heure de la prière du soir à Wardana. Il se dirigea vers sa mosquée et demanda l'hospitalité. On lui demanda de se présenter, il leur répondit, « J'enseigne le Coran et l'éducation religieuse pour les enfants. » Ils lui offrirent à manger, puis dirigea la prière du soir. À la fin de la prière, ils s'excusèrent de ne pouvoir l'héberger chez eux par crainte, pour lui, des attaques des autres tribus. Certains lui ont demandé de passer la nuit à la mosquée, mais l'ont prévenu qu'un démon la hantait et aurait causé la mort à plusieurs enseignants du Coran, puis ont rajouté. Si vous êtes tel que vous le dites, vous êtes libre de rester dans la mosquée, sinon partez. Il leur répondit par ces mots, « Personne ne peut mourir que par la permission de Dieu. Moi-même, ainsi que cet injuste, n'échapperont au décret divin. »
Après que les personnes se dispersèrent et rejoignirent leur foyer, Cheikh El-Bouzidi méditait en la compagnie du Très-Haut. Jusqu'à ce que lui apparut le démon sous une forme redoutable et une voix horrible. Cheikh El-Bouzidi récita sourate de l'unicité. C'est alors que Dieu raffermit son cœur et lui apporta son soutien. Il répéta en boucle la récitation, tout en pointant son index vers le démon qui ne cessait de se déplacer, jusqu'à ce que la lumière de la sourate le brûlât et le transformât en cendres. Avant l'aube, il se leva pour réciter ses litanies et faire la prière du matin en solitaire. Quelque temps après, la population du village est venue le voir. On le trouva dans la quiétude et le réconfort, psalmodiant ses litanies. Ils lui demandèrent ce qu'est devenu le démon, il leur répondit, « Dieu a purifié cette mosquée de sa présence. » Et pointa son index vers la poignée de cendres en disant, « Enterrez-la !» Ayant manifesté le désir de prendre congé et devenu désormais digne de considération à leurs yeux ébahis, ils l'empêchèrent de partir et fut prié de rester, en évoquant la nécessité d'éduquer leurs enfants et insistèrent assez longtemps. Leur intention était de faire en sorte qu'il soit détourné de son voyage. Afin de parvenir à cette fin, leur illustre notable, Mohamed Ben Yahya, lui proposa de le marier à sa fille, Fatima, sans condition aucune, ce qu'il accepta et finit par rester parmi eux. Et c'est dans ce village que Cheikh El-Bouzidi fut surnommé Sidi Amou Cheikh, car dans le nord du Maroc, dans la région du Rif, la population rurale prononce le nom de Mohamed par Amou. La nouvelle du prodige s'est répandue dans tout le nord du Maroc et arriva tout naturellement aux oreilles des disciples de la Zaouïa de Karkar, qui ne tardèrent pas à rejoindre leur maître, mais Cheikh El-Bouzidi leur a ordonné de repartir en disant « Je ne vais pas rester ici, je suis déterminé à retourner à mon pays ». Et c'est ainsi que le village de Wardana est devenu un centre spirituel qui attira des personnes assoiffées de savoir et de vérité. Cheikh El-Bouzidi prodiguait ses enseignements et forma des professeurs dans la jurisprudence et le soufisme, dont un grand nombre d'entre eux sont devenus des éminents savants et des gnostiques. Lorsque Cheikh El-Bouzidi s'est aperçu que l'appel à Dieu était accepté et qu'il touchait à sa fin, que les cœurs des croyants baignaient dans la lumière et la bénédiction se déploya dans le pays, il prit conscience que sa mission est terminée dans cette région. Il se dirigea alors en direction de l'Algérie, à sa ville natale Mostaganem. Il loua une maison qui se trouvait à côté de la mosquée de Sidi Yacoub. Au début, il n'invita personne à la voir. Il finit par appeler les gens à Dieu et beaucoup de personnes s'attachèrent à lui. Mais pour l'éprouver, Dieu mit sur son chemin un homme qui était cheikh de Zaouïa, qui lui fit si grand tort qu'il se trouva en butte à toutes sortes de difficultés. Sur l'injonction du prophète, vu dans une vision onirique, il lui ordonna de rester silencieux. Il fut forcé malgré lui de ne plus faire l'appel à Dieu, mais continua toutefois à enseigner le Coran aux enfants. Ce mutisme dura quelques années. Une autre vision onirique l'encouragea à propager de nouveau les enseignements d'Erkaoui. Il vit une grande assemblée de disciples et chacun portait au cou son rosaire. Et il vit une nouvelle fois le prophète, qui l'autorise à l'appel à Dieu. Cheikh El-Bouzidi ne tarda pas alors à croiser le chemin de son futur disciple, Ahmed El-Alaoui, et son associé, dans le commerce, Benaouda Ben Slimane. Ce dernier fut le premier à s'attacher au maître deux mois avant son associé, lorsqu'il reconnut en lui les signes du guide vers Dieu.
Un jour, un éminent savant de Sfax en Tunisie fut invité à Mostaganem. À l'époque, la population de cette ville accueillait avec joie les hommes de Dieu, de science et de droiture et se rassemblait autour d'eux, au point qu'elle fut surnommée « la petite Égypte ». L'appel fut donc lancé que le cheikh Mohamed Zafer El Madani et l'hôte de la Zaouïa du cheikh El Arag, Ben Kretli, situé à Tijdit, près de la tombe de Sidi Senoussi. Venez nombreux, venez en profiter. Au cours de la réception dans la Zaouïa du cheikh El Arag, qui était dès lors en vie et connu comme étant un homme saint, charitable, a dépensé tout son argent dans des projets de charité pour l'amour de Dieu. Toutes les dépenses de ses jours de réunion spirituelle avec ses obligations d'hospitalité, en raison de la présence de son hôte tunisien et le public, étaient à ses frais. Il a dû s'absenter un moment aux yeux des invités afin de formuler des directives concernant quelques services pour ses hôtes. Cheikh El Madani l'appela à haute voix, Sidi El Arag. À trois reprises, El Arag veut dire littéralement « brûleur ». Cheikh El Bouzidi, qui était présent, assis au dernier rang, lui dit aussitôt « El Arag, le brûleur, ne l'est vraiment dans notre voie, que seulement, lorsqu'il brûlera tout l'univers, du trône jusqu'à son étendue ». Cheikh El Madani fut surpris par ces paroles et demanda qui était l'homme qui vient de parler. Les oulémas qui étaient à ses côtés lui répondent « Il se nomme El Bouzidi, c'est un enseignant de Coran pour les enfants ». Cheikh El Madani leur répondit « C'est plutôt un maître pour les adultes. Appelez-le ». Cheikh El Bouzidi avança et s'assoit près de lui et discutèrent tous les deux des sciences de la communauté des soufis. Lorsque Cheikh El Madani s'aperçut très clairement du véritable statut du Cheikh El Bouzidi, il se mit debout et s'adressa au public en exprimant son admiration pour Cheikh El Bouzidi. Et finit son allocution par ceci. Frères, demain, si Dieu le veut, chacun de vous notera sur une feuille tout ce qui l'inspire en mentionnant son nom et me l'apporte. Cheikh El Bouzidi chargea son disciple Ahmed El Alaoui de notifier ce qui l'inspire. Le lendemain, beaucoup de personnes apportèrent avec eux des bouts de papier et les posèrent devant Cheikh El Madani, qui s'est mis à les lire et fut interpellé par une feuille qui comportait ces vers. Selon ton désir, par un regard, tu abreuveras toute l'humanité, sinon, par un simple coup d'œil, tu effaceras le monde entier. Il la saisit et dit : prenez ces papiers et brûlez-les. Puis demande à son entourage : qui a écrit ceci ? Ils lui répondirent : il est le disciple de l'homme qui a parlé hier. Il s'étonna alors du cas particulier de la population de Mostaganem, puis prit publiquement la parole. Après avoir loué et glorifié Dieu et adressé ses prières et ses salutations au prophète, il déclara ceci. Ô gens de Mostaganem, comment avez-vous négligé un homme qui est le guide contemporain et unique en son temps? Je le jure par Dieu l'unique. Si j'avais su qu'un homme tel que lui se trouvait dans cette ville, je ne serais pas venu. Et s'il en était indispensable, je ne viendrais pas sans sa permission. Puis conclut en disant, « Ô gens de Mostaganem, si votre désir est Dieu, votre ville est pleine des hommes de Dieu. Quant à moi, ne m'attendez plus après ce jour. » Il quitta alors Mostaganem et n'est plus revenu depuis. En cette nuit, et au milieu de cette vaste assemblée, la célébrité du Cheikh El Bouzidi est réapparue à nouveau. Et s'attacha à lui certains individus des plus éminentes et illustres familles de Mostaganem, connues par la pureté de leurs éthiques morales. Cheikh El Bouzidi vit donc la nécessité et l'obligation d'orienter vers Dieu et ressusciter la confrérie d'Erkawiya. Et s'attacha à lui beaucoup de disciples et maîtres spirituels tels que Cheikh Mohamed Ben Yeles de Tlemcen, qui fut un Cheikh d'Erkawi, ainsi que Cheikh El Arabi Teshwar de Tlemcen également, et bien d'autres de divers endroits de l'ouest du pays et du nord du Maroc et jusqu'au Moyen-Orient. Beaucoup ont obtenu par la grâce de Dieu, le dévoilement spirituel, et grâce à eux, combien de fois ont rejoint la confrérie d'Erkawiya les tribus telles que les Beni Zeroual et les Ouled Ahmed, les Selatni et les Sedairi et les Elodbi, et beaucoup de gens s'y attachèrent, que ce soit individuellement ou en groupe.
La morale de Cheikh El Bouzidi était sublime, dans le sens le plus large du terme. Il était le thérapeute des cœurs et des corps. Ainsi que ses prodiges, relatifs à l'assujettissement des djinns, qui assistaient à ses rassemblements spirituels et sollicitaient ses bénédictions et qui s'enrôlaient dans sa voie et lui rendaient visite dans les nécessités. Une de ses qualités assez exceptionnelles, pour un homme pieux comme lui, est de se rendre dans les maisons closes pour instruire et persuader les prostituées de se remettre dans le droit chemin. Il exhortait ses disciples célibataires à épouser l'une d'elles en leur disant qu'ils ont un grand mérite et une grande récompense auprès de Dieu pour cette action. Il disait « Il y a plus de mérite à sortir les créatures de l'enfer qu'à prêcher les hommes de vertu ». Cheikh El Bouzidi parlait à ses disciples au sujet de l'ego et ses ruses afin de parvenir à ses fins et qu'il est surtout conseillé aux disciples de ne pas se mettre en confiance s'ils voient en lui les signes positifs de sa soumission à Dieu. Car l'ego est rusé 70 fois plus que Satan. Il leur dit, se donnant lui-même en exemple. « Mon ego continue à m'en parler sur des sujets de jeunesse alors que j'ai atteint les 80 ans. Et je vois bien que Satan use de stratagèmes pour me faire piéger comme le fait le voleur dans la nuit pour s'introduire dans la maison. » Une de ses autres qualités est qu'il ne tenait pas rancune et pardonnait toutes les offenses subies. Il avait même refusé de poursuivre le tueur de son fils et de percevoir la compensation financière due par la famille du tueur. Cheikh El Bouzidi était très connu pour son penchant à l'ascétisme. Un jour, un de ses disciples, Ahmed Ben Ismail, lui dit « Le préfet demande à vous voir. » Cheikh El Bouzidi lui répondit « Qu'ai-je à faire avec le préfet français, que me veut-il ? » Il lui dit « C'est juste une rencontre amicale, il voudrait savoir comment vous allez seulement. » Cheikh El Bouzidi recueillit ses forces et son souffle et alla non sans difficulté. Une fois devant le bâtiment de l'administration, il trouva un fonctionnaire qui l'attendait et l'invita à entrer dans le bureau du préfet. Après une courte discussion, le préfet lui présenta un cadeau comportant deux burnous de bonne qualité. Lorsqu'il quitta le bâtiment, il aperçut un homme déshérité, presque nu, il prit l'un des deux burnous et le posa sur ses épaules. Puis avança quelques pas et vit un autre homme, qui était dans le même état que le premier. Il prit le deuxième burnous et le posa aussi sur ses épaules, puis retourna à sa zaouïa. Quelques jours plus tard, le fonctionnaire est venu voir ce que le cheikh a fait des burnous et s'aperçoit qu'il était habillé comme à ses habitudes. Il demanda des explications aux disciples qui lui racontèrent ce qu'il a fait des deux burnous et ce qu'il a dit à ce sujet. Les deux burnous nous sont venus de la part de Dieu et lui sont retournés. Et Dieu ne néglige jamais de récompenser les bienfaiteurs. Cheikh El Bouzidi ne possédait qu'une seule jouba, robe pour homme. Il est arrivé que quelques-uns de ses disciples se rendent chez lui. Il les accueillit habillés d'une robe appartenant à son épouse. Surpris et perplexes, ils demandèrent la raison de ce déguisement. Il leur répondit « J'ai lavé ma jouba et je n'ai rien d'autre à mettre, seulement ceci ». Les disciples se lamentèrent d'avoir négligé leur père spirituel qui ne possède qu'un seul habit. Ils se pressèrent tous et retournèrent vers leur maître avec des habits raffinés et de bonne qualité. Cheikh El Bouzidi leur restitua leurs vêtements et n'en garda qu'un seul habit et leur ordonna de donner le reste à leur famille et leurs proches parents défavorisés. Un jour, Cheikh El Bouzidi fut invité à une cérémonie de mariage. Il accepta l'invitation. Un autre cheikh de Zaouïa, accompagné par ses disciples, faisait partie des invités. Mais juste avant d'entrer, on l'informa que Cheikh El Bouzidi était présent. Il jura par Dieu de ne pas entrer que lorsque Cheikh El Bouzidi et ses disciples quittent les lieux. Le père du jeune marié, perplexe, consulta son épouse, qui lui suggéra ceci. Je vais préparer un repas pour Cheikh El Bouzidi et sa famille. Comme cela, tu peux le faire partir avec délicatesse. »
Lorsque le père du jeune marié apporta un plat de couscous au cheikh El Bouzidi, celui-ci l'accepta de bon cœur et pria Dieu pour les jeunes mariés, de les lier par l'amour et la bonne cohabitation pour toujours et opère tout le bien et la bénédiction. Puis s'en alla. Mais il ne se dirigea pas chez lui pour partager le couscous avec sa famille, car Dieu lui a dévoilé un différend entre le père du jeune marié et une de ses sœurs qui n'a pas été invitée au mariage. Cheikh El Bouzidi est allé la voir, et son mari lui ouvrit la porte. Il lui présenta le plat et lui dit « Votre beau-frère présente ses excuses pour cet oubli et vous invite immédiatement à la cérémonie de mariage. » Lorsque la femme entendit ce qu'a dit Cheikh El Bouzidi, elle fut emplie de joie et lança des youyou et se pressa à participer à la fête de mariage. Les parents du jeune marié se sont demandé qui les a invités. Ils ne le surent que par le plat qu'ils ont donné au Cheikh El Bouzidi, revenu plein de gâteaux. Ils reconnurent en lui la cause de cette réunion entre frères et sœurs et de leur réconciliation si soudaine. Un jour, Cheikh El Bouzidi marchait dans la rue, d'où la plupart des magasins appartenaient à des commerçants juifs. Un des leurs, assez avancé dans l'âge, tomba par terre. Cheikh El Bouzidi courut à lui et l'aida à se relever, tout en le débarrassant de la poussière qui s'est posée sur ses vêtements et lui remit son chapeau sur sa tête, en lui disant « Pas de mal, pas de mal ». Les commerçants juifs étaient surpris de ce geste de la part d'un porte-étendard de la loi prophétique. Et depuis ce jour-là, lorsque Cheikh El Bouzidi passait devant eux, ils le saluèrent avec vénération et respect. Un jour, un des cheikhs de Zaouïa dit au Cheikh El Bouzidi : « J'ai vu en songe le messager de Dieu et m'a dit que El Bouzidi est destiné à aller à l'enfer. » Par un sourire chaleureux qui incarne à la fois jovialité et tolérance, Cheikh El Bouzidi lui répondit par ces mots. Que Dieu vous récompense. Je pensais que les gens de mon espèce n'étaient pas mentionnés par le prophète et qu'il ne se souciait pas d'eux. Mais louange à Dieu que je sois mentionné par lui et qu'il s'intéresse à mon cas et se rappelle de moi. Il est l'intercesseur des pécheurs comme moi. Que Dieu vous récompense et que la paix soit avec vous. Mustapha Ben Kretli, un des disciples du Cheikh El Bouzidi, qui était membre du Conseil national de l'époque coloniale française, se mit un jour dans son uniforme officiel à l'occasion d'une réception du gouverneur général français en visite à Mostaganem. Cheikh El Bouzidi alla le voir et lui dit « Porte pour moi ceci ». Il lui donna les intestins et les entrailles de mouton. Le sang coulait, attirant les mouches qui grésillaient autour d'eux. Mustapha Ben Kretli, avec toute son élégance et son privilège et le confort de son statut social, se laissa faire et ne brancha pas et suivit son maître qui le faisait marcher dans les grandes rues européennes de Mostaganem. Lorsqu'ils sont arrivés à El Matmar, ou la porte d'El Majahir, qui sépare la zone européenne des quartiers populaires arabes, le cheikh l'arrêta et lui dit Cela suffit mon fils, je te remercie, et je t'apporte la bonne nouvelle que Dieu t'a guéri de la vanité et de l'égoïsme, de l'arrogance, de toute fierté et de la notoriété. Qu'est-ce qu'un grand serviteur de Dieu tu es ? Le Tout-Puissant a réuni pour certains prophètes la prophétie et le pouvoir, et à certains de ses saints le statut de la sainteté et le pouvoir, et cela les a rendus aussi humbles devant lui qu'ils ne l'étaient. Par leur dépouillement, ils demandent ainsi le flux de sa miséricorde et sa protection, dans le reste de leurs jours, jusqu'à ce qu'ils reviennent à lui, en étant réellement les plus méritants à sa miséricorde et sa grâce. Ce grand don donné par Dieu mon fils, est réservé à l'élite de l'amour divin, qui n'accepte pas l'arrogant et l'égoïste. Tu as satisfait ton Seigneur mon fils, qu'il soit glorifié. Heureux sois-tu d'avoir obtenu la félicité dans les deux demeures, ce monde ici-bas et celui de l'au-delà. Que Dieu te préserve et prend grand soin de toi de ce qui reste de tes jours.
Un jour, un disciple habitant à la campagne rendit visite au cheikh El-Bouzidi. Il était avide pour les délicieux plats qu'il allait prendre chez son maître. Cheikh El-Bouzidi procéda à son éducation en élevant son niveau de conscience. Il lui apporta un plat de fèves et lui dit « Avance mon fils et mange ». Puis posa sa main sur son estomac et lui dit « Ceci n'est qu'un intestin fétide. Comble-le avec ce qui se présente et lève-toi à la quête de Dieu en mentionnant son nom jour et nuit. Peut-être que sa miséricorde t'atteindra et te ravira de ton inconscience et insouciance et te transportera à l'éveil de la connaissance et à la contemplation de ses lumières par ton œil intérieur. Lorsque l'obscurité de ta nuit se dissipera, la lumière de ton jour apparaîtra et rayonnera en toi ton soleil. Ne fléchis pas et ne fuis pas et ne t'écroule jamais. Jusqu'au jour où tu retourneras vers Dieu en le trouvant pleinement satisfait de toi. » Un événement douloureux est arrivé au cheikh El-Bouzidi, lors de la célébration de la naissance du prophète, son fils fut tué par erreur lors des tirs de feu. Lorsque cheikh El-Bouzidi arriva sur les lieux du drame, et vit son fils gisant sur le sol, saignant abondamment, un des participants lui dit « Venez, je vais vous montrer le meurtrier de votre fils. » Le cheikh lui répond « Va-t'en, aberrant, le meurtrier de mon fils, je le connais. C'est celui qui a condamné toute âme à mourir. » Il emmena le cadavre de son fils et l'enterra et ne déposa pas plainte contre le fautif, se soumettant à la parole du Tout-Puissant et fait la bonne annonce aux endurants, qui disent « Quand un malheur les atteint, certes, nous appartenons à Dieu et c'est vers lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde et ceux-là sont les bien guidés. » Mustapha Ben Kretli, l'un des disciples du cheikh El-Bouzidi, était en voyage en France en compagnie de Ahmed Ben Ismail, son condisciple. Mustapha tomba gravement malade et Ahmed faisait le va-et-vient à son chevet, accompagné à plusieurs reprises de docteurs. À la dernière fois, il entra accompagné d'un docteur pour lui prescrire un traitement qui soulagerait sa douleur. Ils trouvèrent Mustapha debout sur ses jambes et en bonne santé. Le docteur lui demanda « Où est-ce donc ce malade mourant dont vous m'avez parlé ?» Ahmed lui répondit, « Par Dieu, je ne sais quoi dire, quelques instants auparavant, il était à l'agonie, et sa température était élevée, et gémissait, et maintenant, je suis surpris de le voir sain. » C'est alors que Mustapha intervient et lui dit, « Paye le docteur et laisse-le s'en aller, et je te dirai ce qui s'est passé. » Il lui raconta avec une grande joie et un état de paix intérieure ce qui lui est arrivé, en faisant l'éloge du cheikh El-Bouzidi. « Sais-tu qui est venu me voir, peu de temps avant que tu reviennes ?» Imagines-tu sur quelle monture a-t-il traversé la distance qui est entre nous et Mostaganem? C'était mon maître, mon guide, ma volupté dans l'aisance et les difficultés. C'était cet inerte plein d'humilité qui a réalisé en lui la servitude à Dieu et que notre lien spirituel avec lui est désormais certain. C'était Sidi Cheikh El-Bouzidi, il entra alors que la porte resta fermée. Il passa sa main bénie sur ma tête et tout mon corps et me dit « Que Dieu te guérisse, il n'y a pas de mal ». Puis son image a soudainement disparu lorsqu'il prononça son dernier mot et je me suis levé comme tu m'as vu. Lorsque les deux voyageurs retournèrent à Mostaganem, ils racontèrent à leurs condisciples le prodige et la guérison miraculeuse. Tous furent étonnés et déclarèrent que le cheikh n'a pas quitté Mostaganem et qu'il a participé avec eux à toutes les prières quotidiennes pendant leur voyage. À ce moment-là, un disciple du nom de Hamadi Ben Kara, qui était l'un des plus grands négociants en tissu et de l'habillement, posa à Mustapha une question précise. « C'est arrivé, quel jour et à quelle heure ?» Lorsqu'il lui répondit, Hamadi dit aussitôt, « À cette heure, mentionné par Sidi Mustapha, cheikh El-Bouzidi est venu me voir dans le magasin, dans un état inhabituel. Son visage était ferme et transpiré du front. Il était dans un état d'effervescence et me dit, « Donne-moi vite un verre d'eau, mon fils est malade. » À trois reprises, lorsqu'il finit de boire, il dit aussitôt « Dieu merci, il n'a pas de mal. » Cheikh El-Bouzidi avait un disciple du nom de Mouafak Ben Omar qui habitait au village de El Maafid près de Relizan. Il se rendait souvent à Mostaganem afin de rendre visite à son maître et passer quelques jours dans sa zaouïa. Une nuit, alors qu'il était dans la zaouïa, cheikh El-Bouzidi vint le voir et l'ordonne de rentrer immédiatement chez lui.
Il retourna à son village en se demandant pourquoi le maître lui a ordonné de repartir alors qu'il passait auparavant des nuits et des jours sans que le maître ne soit dérangé par sa présence. Peut-être qu'il n'est plus chanceux d'être en compagnie des vertueux, ou peut-être que le maître est informé de sa misère dans l'avenir, et ainsi de suite de ce genre de conjectures qui hantaient son âme. Lorsqu'il arriva au matin à son domicile, sa femme lui a parlé à haute voix, lui disant « Comment te permets-tu de me laisser seul ? Des voleurs sont venus la veille au soir, et ont ouvert la bergerie et pris quelques moutons. J'ai alors crié, réclamant du secours. Un des voleurs a pris une pierre pour me frapper, et là, un homme âgé est apparu, et lui a ôté la pierre de sa main, et a remis les moutons à la bergerie, et m'a dit, « N'aie crainte, je suis avec toi. » Puis a fermé la porte, et a emmené les bandits. Les voleurs étaient du même village et la femme les a reconnus. Mouafak a remercié Dieu et compris la raison qui a poussé le maître de lui ordonner de repartir. Lorsque Cheikh El Bouzidi sortit en tournée spirituelle, au printemps, et arriva au village de El Mahafid et fut entouré par les habitants du village, son disciple Mouafak se plaignit à lui des bandits qui faisaient partie de l'assistance. Cheikh El Bouzidi demanda aux trois personnes s'ils approuvaient l'accusation ou la contestaient. Ils ont répondu que l'accusation ne se reposait sur aucun fondement et qu'il n'y a aucune preuve. Le Cheikh a répondu, « C'est vrai, juridiquement, l'accusateur doit faire valoir ses arguments, mais celui qui nie, doit jurer solennellement. Jurez-vous par Dieu, que vous êtes innocent de ces accusations ?» Ils ont répondu tous les trois par « On le jure ». À ce moment-là, le Cheikh les démasqua et leur dit, « Repentez-vous à Dieu ». Puis pointa son index à l'un d'eux et lui dit « Toi, je t'ai retiré la pierre que tu tenais dans ta main et par laquelle tu voulais frapper l'épouse de Sidi Mouafak et je vous ai emmené aveuglé jusqu'au lever du matin. Le fait de parjurer, c'est mentir délibérément en prêtant serment par Dieu. C'est une chose grave que le délit lui-même, car elle pourrait conduire à l'apostasie et au blasphème et Dieu effacera toutes les bonnes actions. Laquelle des violations est moins dangereuse ? Désobéir à Dieu ou blasphémer ? Blasphèmes-tu si tu commets le péché, et le péché s'efface par la repentance devant le Tout-Puissant. Demandez pardon à votre frère Sidi Mouafak et demandez pardon à Dieu. Car Dieu est digne de pardon et miséricordieux. » Tous les trois reconnurent leur culpabilité et se repentirent à Dieu et demandèrent pardon à Sidi Mouafak. Puis on rejoint la confrérie du Cheikh El Bouzidi. Ils vécurent le reste de leurs jours par la grâce du Tout-Puissant en mentionnant le nom de Dieu. Cheikh El Bouzidi sortit un jour, de printemps ou d'automne, en tournée spirituelle, accompagné de Bouzid Ben Moulay, son représentant au village de Haute-Ba. Ils entrèrent dans un village et furent accueillis par des jets de pierres, puis des chiens ont été lâchés sur eux pour les empêcher d'entrer dans le village. Cheikh El Bouzidi et son compagnon s'éloignèrent d'une petite distance du village et se reposèrent sous un arbre. Lorsque le soleil se coucha, Bouzid Ben Moulay retourna au village portant avec lui une grande boîte en fer comme moyen dérisoire à utiliser en percussion. Lorsqu'il arriva, il éleva la voix en chantant. Les villageois rassemblés en masse autour de lui ne se doutaient de rien. Ils pensaient qu'ils avaient affaire à l'un de ces maîtres qui chantent des poèmes de romance qu'ils aiment tant. Bouzid imposa une mise en scène et investit le lieu de sa prestation avec un talon qui en vaut la chandelle. Il posa la boîte à côté de son oreille et leva ses yeux vers le ciel en traversant le cercle de son auditoire de long en large et chantait en utilisant des airs mélodiques qui leur sont favorites. Une fois séduit, leur grand dignitaire prit la parole et dit « Je vous prie de nous pardonner du mauvais accueil. Nous pensions que vous étiez de ceux qui arnaquent les gens et prennent leur argent injustement au nom de la religion. Nous ignorions que vous étiez des maîtres de chant. Je vous prie de passer quelques jours parmi nous, nous avons plusieurs cérémonies à célébrer, mariage et circoncision. » Puis ils lui offrirent un repas. À la fin du repas, il leur demande la permission de prendre une part à son compagnon. Lorsque Cheikh El Bouzidi finit de manger, Bouzid Ben Moulay lui raconta ce qui s'est passé, puis demanda la permission d'y retourner. Cheikh El Bouzidi lui dit, « Retourne, parce qu'ils t'ont bien accepté. » Il lui répondit, n'en déplaise à Dieu maître. Ils ont accepté une boîte en fer vide. Bouzid Ben Moulay retourna au village et se mit à chanter en suscitant les émotions de son auditoire par des chants de romances bédouins. Lorsqu'il se rendit compte qu'il s'est emparé de leur cœur, il cessa de chanter et leur dit
N'est-il pas malheureux et insolite pour vous d'avoir renvoyé un maître gnostique parmi les grands réalisés spirituellement, porte-étendard de la loi et la vérité? Et tous ceux qui s'attachent à lui, leur sera susceptible de rendre leurs invocations plus recevables auprès du Tout-Puissant et sera entouré par le bonheur dans les deux demeures. Alors que vous avez accepté une boîte vide, avec un chanteur aussi vide qu'elle. Préfériez-vous le vide qu'au comblé? Le mal qu'au bien, l'obscurité qu'à la lumière, le malheur qu'au bonheur, et l'illusion qu'à la vérité? Les villageois avaient le sentiment d'avoir commis un si grand péché qu'il ne serait possible de l'effacer que par la repentance à Dieu. Ils lui ont demandé d'aller chercher le maître, mais il leur a répondu, « Par Dieu, je ne le ferai pas. Mais vous, allez le voir et demandez-lui pardon. » Après avoir demandé son pardon, ils retournèrent au village, à leur tête Cheikh El Bouzidi, qui devint désormais leur guide spirituel, et ont pu rejoindre la communauté que Dieu a si bien bénie. Lors d'une discussion dans la ville de Tlemcen entre Ahmed Ben Ismail, de Mostaganem, et son beau-père, Mohamed Lachachi, de Tlemcen, qui était un des disciples du Cheikh Mohamed El Ibri. Et chacun faisait l'éloge de son maître. Ahmed, absorbé par l'amour pour son maître, introduisit dans le cœur de son beau-père le désir de voir Cheikh El Bouzidi, afin de vérifier par lui-même. En effet, Mohamed Lachachi se déplaça à Mostaganem en compagnie de deux grands représentants du Cheikh Mohamed El Ibri. Au cours de la route, et avant d'arriver à destination, l'un d'eux dit « Notre visite à ce maître est juste à titre amical, cela nous permettra de vérifier la véracité de son statut de sainteté. S'il fait partie des hommes, agréé par Dieu et soutenu par son assistance, il apportera à chacun d'entre nous, lors du repas, un plat selon le désir de chacun de nous. » Et tous les trois formulèrent le désir de ce qu'ils souhaiteraient manger. Une fois arrivés, ils furent accueillis par Ahmed Ben Ismail, qui les amena chez Cheikh El Bouzidi, et ce dernier les accueillit à son tour. Il se pressa vers son épouse en lui disant « Sidi Mohamed Lachachi de Tlemcen et ses deux compagnons sont ici. As-tu quelque chose à offrir pour nos invités ?» Elle lui répondit à haute voix, au point que les autres l'ont entendu, en disant « Comment invites-tu les gens de Tlemcen, alors qu'il n'y a pas un seul oignon dans ta maison ?» Pendant qu'ils étaient assis en compagnie du maître, qui leur parlait des merveilles de la puissance de Dieu et que rien, que ce soit sur terre ou dans les cieux, ne peut les empêcher de se manifester, comme s'il leur reflétait ce qu'ils cachaient dans leurs intimes secrets. Puis quelqu'un frappa à la porte. Le maître alla ouvrir. En revenant, il porta un plat contenant le souhait de l'un des trois invités. Il le posa entre ses mains et lui dit « Ceci est pour vous, comme vous l'avez demandé. » Puis pour la deuxième fois, on frappa à la porte. Et le maître apporta un plat contenant également le souhait de l'un d'eux, il le posa entre ses mains et lui dit « Ceci est pour vous, comme vous l'avez souhaité. » Puis pour la troisième et la dernière fois, on frappa à la porte et le maître apporta un plat contenant également le désir du troisième hôte, il le posa entre ses mains et lui dit « Ceci est pour vous, selon votre vœu. » Tous avaient requis le plat souhaité et fussent convaincus que le Cheikh El Bouzidi faisait partie des maîtres accomplis, solidement implantés dans le savoir, soutenus par les soins divins. Et lui ont demandé de prier pour eux et la permission de repartir. Cheikh El Bouzidi avait un jeune disciple de sa famille qui se nommait Tayeb Ben Taha et était encore débutant dans l'apprentissage du Coran. Une nuit, lors d'une célébration d'une grande cérémonie spirituelle, les étudiants et les enseignants du Coran se sont rassemblés pour le réciter en groupe. Tayeb, qui n'avait pas encore appris par cœur l'ensemble du Coran, sortit du cercle et s'assoit avec le reste des croyants qui ne récitaient pas. C'est alors qu'ils se sont mis à le blâmer et à le réprimander. « Toi, un noble, descendant de Sidi Bouzid, tu ne t'efforces pas à apprendre le Coran comme un tel et un tel ?» En indiquant ceux de son âge. « Tu es vil et paresseux, tu détestes apprendre, et on ne peut rien espérer de toi. » Il fut affligé, chagriné et triste. Lorsqu'il rentra chez lui, le lendemain matin, il dit à sa mère « Je voudrais rendre visite à ma sœur, qui habitait dans un village loin de Mostaganem. As-tu un cadeau ou quelque chose qui lui fera plaisir ?» Sa mère lui donna quelques provisions. Au lieu de prendre le chemin du village où habitait sa sœur, il prit un chemin opposé, se dirigeant vers le Maroc et atterrit à Tanger, où il passa plusieurs années et coupa tout contact avec sa famille au point qu'elle renonça à le retrouver. 8 années passées.
et Tayeb envoya une lettre à son frère Mohamed, qui était le représentant du Cheikh El Bouzidi, dans le village de Sidi El Khattab, l'informant que Dieu lui avait permis l'apprentissage du Coran en entier avec les 7 lectures rapportées ainsi que la jurisprudence et qu'il ne lui reste plus qu'à rentrer au pays. Donc il est tenu de lui envoyer les frais du retour. Mohamed prit la lettre et la présenta au Cheikh El Bouzidi en lui disant « Je mettrai en vente mon cheval et je lui envoie l'argent. » Mais Cheikh El Bouzidi lui répondit « Ne le fais pas, Sidi Tayeb sera pris en charge par Dieu et il reviendra sain et sauf. » Tayeb raconta plus tard ce qui lui est arrivé à Tanger. « J'étais dans la mosquée, dans laquelle j'ai fait mes études, et soudain j'eus une forte volonté, comme si j'étais attiré par une force, à visiter le port de Tanger. » Alors que je me promenais dans le port, j'entendis une voix m'appeler par mon nom. Lorsque je me suis retourné, j'ai vu un homme assis sur une grande chaise, habillé à la façon turque. Il me demanda le nom de mon ancêtre. J'ai répondu, Sidi Bouzid, puis m'a demandé à nouveau. Veux-tu aller à Oran? J'ai répondu par oui, en ayant du mal à croire si j'étais dans le monde réel ou dans un rêve. Il m'a alors dit, le bateau s'est rendu à Oran et sera de retour le mercredi. Tu le prendras et ainsi tu rentreras dans ton pays par la volonté de Dieu. Je suis retourné à la mosquée plein de joie, rendant plus d'une louange à Dieu, le remerciant pour m'avoir donné la chance de rencontrer cet homme généreux. Je suis retourné au port mardi soir. J'ai retrouvé le même homme et me dit « Tayeb, je t'ai promis pour le mercredi, que fais-tu ici ?» Je lui ai répondu, je craignais de venir en retard et manquer le bateau. Il me prit par ma main et m'emmena chez le boulanger et m'acheta 2 grands pains. Puis m'emmena chez un autre commerçant et m'acheta du miel et du beurre. Puis m'emmena chez le vendeur de thé et lui demanda de me servir en le payant à l'avance. J'ai bu et mangé jusqu'à ce que j'ai satisfait ma faim, puis me prépara un endroit où je puisse dormir. Dans la matinée du mercredi, j'ai vu le même homme occupé à négocier avec le commandant du bateau. Après l'avoir payé, il lui dit « Prenez-le à Oran ». J'ai pris mes affaires et je suis monté sur le bateau inondé de joie, au point d'avoir oublié de me retourner vers le généreux bienfaiteur pour le remercier que lorsqu'il m'appela et me dit « Tayeb, tes ancêtres et les miens sont de la même lignée. » Lorsque le bateau accosta au port de Razaouet et croyant que c'était Oran, je suis descendu rapidement par joie d'être arrivé. Lorsqu'il arriva à destination et raconta à son frère Mohamed l'histoire de celui qui prit en charge les frais de son voyage et les dépenses qu'il effectua, son frère lui dit « Cet homme généreux n'est autre que Cheikh El Bouzidi, que Dieu le récompense pour ce qu'il a fait. J'ai voulu vendre le cheval et t'envoyer l'argent, mais m'a ordonné de ne pas le faire en disant « Tayeb sera pris en charge par Dieu et il reviendra sain et sauf. » Un représentant d'un des cheikhs de Zaouya, hostile au Cheikh El Bouzidi, s'est mis devant lui dans le marché et lui parla avec obscénité. Puis cracha sur son noble visage. Cheikh El Bouzidi essuya son visage et partit. Une nuit après, seulement, Dieu frappa l'injuste d'une tumeur au visage et au même endroit que le crachat. Il ne trouva aucun traitement adéquat, jusqu'à sa mort, en ayant le visage déformé. Lorsque Cheikh El Bouzidi se trouvait dans l'un des quartiers de Tijdit, et qui se nomme El Souika, connu pour ses nombreux magasins, il passait devant l'un des commerçants qui, à chaque fois, lui jetait des pétards. Et, suite à l'explosion, Cheikh El Bouzidi mentionnait le nom de Dieu, ce qui faisait amuser le commerçant et le distrayait et éclatait de rire. Et Cheikh El Bouzidi ne lui disait jamais rien. La dernière fois qu'eut ce genre de plaisanterie, pendant la journée, son magasin prit feu la nuit même, transformant en fumée tout ce qu'il y avait dedans. Quant aux prodiges après sa transition vers l'au-delà, elles sont innombrables. Ce qui suit en est un parmi bien d'autres. Ahmed Ben Ismail, un des grands commerçants de Mostaganem, possédait des magasins et des entrepôts de marchandises.
Lors d'une nuit, une bande de voleurs tenta de pénétrer dans l'un des entrepôts qui se trouvait à El Matmar. Ils essayèrent de forcer la porte, lorsque soudain, elle s'est grande ouverte, et l'image du Cheikh El Bouzidi est apparue aux voleurs, tel qu'il fut connu de son vivant, en leur disant « Ne craignez-vous pas Dieu en trahissant votre frère ?» En la répétant à trois reprises. Les bandits embarrassés fermèrent la porte et s'en vont. Le lendemain matin, leur chef vint voir Ahmed Ben Ismail et au cours de la discussion, il lui dit « Je voudrais t'annoncer une bonne nouvelle, à condition que tu me garantis le salut. » Ahmed lui répondit « Tu as ma parole. » Alors il lui dit « Ton maître est veillant sur tes biens dans la mort, comme c'était dans la vie. » Et lui raconta l'histoire. Ahmed lui dit alors « Louange à Dieu qui nous a guidés à ceci. Nous n'aurions pas été guidés si ce n'est Dieu qui nous avait guidés. » Puis jura par Dieu, je n'ai jamais douté au sujet de mon maître, qu'il était à l'exemple même du prophète Mohammed et un homme du divin. Peu de temps avant son décès, Cheikh El Bouzidi tomba malade et la maladie dura. Annonçant la disparition et l'inévitable fin et laissait apparaître les signes du voyage vers l'au-delà. Il était incapable de parler sans que cela touche à ses facultés de compréhension et fut paralysé de la moitié de son corps. Quelques jours seulement après, Cheikh El Bouzidi fut emporté par la miséricorde de Dieu, ne laissant qu'un seul fils, Mustapha, plus ou moins proche du ravissement. Le Cheikh l'aimait intensément. Avant sa mort, il ne cessait de le regarder, craignant qu'il ne soit négligé. Lorsqu'Ahmed El Alaoui sut cela, il lui dit « Chargez-vous de ce qui nous préoccupe envers Dieu, et nous nous chargeons de ce qui vous préoccupe envers Mustapha. » Cheikh El Bouzidi fut ému. Son visage rayonna de joie. Il rejoignit le voisinage du Compagnon suprême le lundi 25 octobre 1909. Disciples, cheikhs et oulémas ont afflué de toutes parts pour présenter leurs condoléances et assister aux funérailles. Ahmed El Alaoui dirigea la prière en commun pour le défunt et le corps a été transporté dans sa zaouïa où il reposera pour l'éternité. Que Dieu puisse faire déborder sur sa tombe sa miséricorde et sa bénédiction. Il laissa son épouse et ses deux enfants, une fille et un garçon, que le Cheikh El Alaoui prit en charge. Et un recueil de poèmes et un livret relatant sa vie. في الحس وفي المعنى أنا طالب المطلوب أنا طالب المطلوب شرابي لي مني وسري في الأواني حاشا يكون ثاني أنا شارب المشروب أنا شارب المشروب أنا الكاس أنا الخمرة أنا الباب أنا الحضرة أنا الجمع أنا الكثرة أنا المحب المحبوب أنا المحب المحبوب كم من فرد سقيته من القيود فكيته من الغفلة يقظته كسيت بنعم الثوب كسيته بنعم الثوب أنا الذي ظهرت خمرتي مني فاضت والأشياء بي قامت أنا رافع الحجب أنا رافع الحجب ناداني من كل مكان أصدع وبشر الإخوان
بالقرب مع الأمان اللي يتبعك محبوب اللي يتبعك محبوب ناداني يا أبو زيدي أصدع بجر عبادي بالقرب والمزيد حاشا مريدك محجوب حاشا مريدك محجوب الحمد لله الذي قوالي أمدادي نسقي من أتى عندي يشرب غاية المشروب يشرب غاية المشروب يشرب كأس المعاني يفنى عن كل فاني يغيب في ذات الغاني يشاهد عالم الغيوب يشاهد عالم الغيوب صلي يا ربي على يا ذا الجود والجلال من نوره تجلى يا مفرج الكروب يا مفرج الكروب Why?